Et salut à tous, c'est Cross, l'homme qui se fait une petite overdose de loadout en ce moment. Et on se retrouve encore sur de l'extraction, ça me fait plaisir. Hop, on le finit. Oh, merci, lance-flamme. Et on se retrouve pour l'extraction, oula, ça bug un petit peu. Parce que voilà, parce que j'ai rien d'autre à dire. C'est pas moi, au moins, c'est pas moi, ça va. Oh merde, il va prendre trop cher. Et voilà, comment on tue un extracteur, messieurs, dames. Vous voulez pas tuer notre extracteur à nous, comme ça on... Oula, j'ai un vieux drop de FPS, c'est vraiment violent. Je suis le collecteur, ok. Et je vais pas me faire tuer. Ok, j'ai zéro blout près de moi. On va essayer de pas croiser les collecteurs. Non, putain, quel con, j'ai oublié que c'était un trou ici. Non! Oh, le fail! Non, j'ai pas le droit de fail comme ça en tant que collecteur. Suicide assisté. Putain de merde, non! Oh, la méga lose. Bon, toi, tu vas pas rester en vie. Voilà. Oh, la méga lose. Oh, je m'en veux tellement. Je savais en plus qu'il y avait un vide, mais je me suis rappelé d'un moment. Il est où? Il est mort? Je me barre! Ok. Je sais qu'avant il y avait un bug qui permettait de voler un peu en touchant les murs. T'es dans la merde, mon gars! Allez! Oh! Toi, je t'aime pas. Oh putain, les vieux drops de FPS. Oh, ah, c'est vraiment violent. Je sais pas ce qui y arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Oula, toi, je te veux pas t'aimer non plus. Il a intercepté toutes mes balles. Ah merde, il a pris là. Allez, on survit, les gars. Oh putain, sérieux? Mets ça pendant que je suis en train de chasser. D'être chassé par... quelqu'un. Sont sérieux. J'en fous, je veux collecter. Non, putain. Mais je prends trop cher à chaque fois. Je suis collecteur pendant que je suis en train d'attaquer quelqu'un. Sérieusement, faut déconner. T'as deux collections de ratés. Ça m'en fout. Ah, bien vu de passer en bas. Il m'échappera pas. What? Ah, mais c'est une arme maintenant, on peut l'envoyer sur les gens. Oh, d'accord, c'est pour ça qu'il brille des fois. Ou alors c'est parce que t'as du temps pour le collecter. Oh, la saloperie. Voilà, meurs s'il te plaît. Ou alors t'as du temps pour la collecter et du coup c'est pour ça qu'il explose, qu'ils me disent dépêchez-vous sinon ça va te détruire. Ok, je sais pas en fait, je sais pas vraiment. Putain, mais ils sont grave en avance, il faut quoi notre collecteur, sérieusement? Quand c'est moi je me fais éclater et quand c'est quelqu'un d'autre il marque pas, sérieusement? Bah il marque plus souvent, mon gars. Oh le bâtard! Ah, bouge pas, je m'en fous moi! Vas-y, reste là! Oh le con! Allez! Mais fuck! Vengeance! Hein, je suis premier quand même! Ça c'est déconné les gars, je suis premier! Vous vous foutez de moi? Secure, d'accord, 1400, ils ont le double de nos points, sérieusement?
Elle meurt. Un drop de FPS qui arrive pas au moment. Bien joué. Putain, mais par contre, vraiment, faut collecter les gars, par contre, au moment. Je sens qu'il va être là-bas, le collecteur. Ah, dis là-bas, en fait. Oh putain! J'ai l'impression que je vois qu'ils me prennent par. Ok, les gars, monde. Il va falloir récupérer un peu le retard qu'on a. Ok, on change de camp. Non, on va passer là-bas en fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'on joue extracteur, les gars. On s'en bat les couilles de tuer les autres. Non, 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 on va pas aller là-bas. Voilà, on revient. Voilà, c'est comme ça qu'on rattrape, les gars. Eh bien, heureusement que je suis là. Hein. Pour apprendre à ces gens comment on joue. J'aime bien les deux. Au passage, on tue un petit extracteur. Coucou les gars, je ne fais que passer. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il brille des fois? Et du coup ça explose. Putain, mais j'étais en train de rattraper le score de l'équipe, les gars, là. Putain. 1900 à 2000, s'il te plaît. L'extracteur. Bon, moi je vais spam l'extracteur, sinon on va jamais y arriver. Voir, peut-être je prends le sniper. Parce que c'est plutôt utile. Fuck! Mais arrête de... Oh putain! Putain! Vous voyez ça? Je m'arrête jamais de brûler. Jamais. Bon, je vais prendre le sniper. Et on va spam l'extracteur. Voilà, headshot mon gars! Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, headshot! Oh là là, mais on commence à devenir bon, dis donc! Oula oula, on se calme les gars, on se calme les gars, on se calme les gars. Putain mais arrête de brûler tout de suite, mais putain. Pourquoi je m'arrête jamais de brûler sérieusement? Bon, si on gagne c'est un putain de miracle. Ah si c'est bon, on commence à avoir un extracteur qui est bon. Bon en même temps je les ai bien ralentis, ils ont pas marqué tout à l'heure. En fait on va le laisser, il a pas l'air de vouloir bien extracter. Viens là pour voir. Voilà. Oulala, on se calme toi. Je viens de te laisser en vie mon gars, t'extracte pas, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ouais. Oh mince. Ouh, c'est pas cool ça. Hop, tu ne marqueras pas. Hop, voilà, c'est comme ça qu'on fait des kills les gars. Alors, il est où? Il est là-bas, méchant. Allez, hop, je me barre. Bon, 18 kills, 9 morts. Moi, je pense que c'est un bon ratio de 2. De 2, ouais, ça, 2, c'est ça. 1275, on a bien rattrapé l'équipe. Je pense qu'il y a moyen de gagner. Tu vas faire, toi. Ouais, ça va, t'as pas l'impression d'être extracteur, en fait. Vas-y, alors, je m'en fous. Vas-y, reviens, rigole. Allez. Ah, je suis le collecteur, ok. Bon, allez, il est temps de gagner, les gars. Bon, je vous explique comment ça marche. J'en ai 6 à marquer. Bien sûr qu'on est dans le lead, les gars. Bien sûr qu'on est dans le lead, je suis l'homme du match. Nous, on en a 3, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, t'as pas intérêt à mourir. Une. Deux. Ah merde, c'est ça.
Et 3, le truc de la victoire. Bravo les gars, GG. Très beau match les gars. Le skill arrive les gens. Success for you, I cannot be defeated. À l'aise. Cool, j'ai gagné un truc ou j'ai pas du tout. Allez les gars, à plus. Un jour on se reverra peut-être. Et c'est la fin de cette vidéo parce que cette partie était assez longue et fortement mouvementée. Alors je vous dis à une prochaine vidéo les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit chargement vite fait, tac tac, pour montrer un petit peu. Remercier les gens qui ont participé à ça. J'ai combien Blood, j'en ai 4330. On va pouvoir faire un truc, je pense. Regardez, hop, on va faire ça, on va quitter et on va aller faire. On va profiter de cette vidéo qui est assez courte pour faire un petit tour sur l'armurerie. Alors, l'armurerie, elle est où? Elle est là. Alors, pour vous montrer un petit peu mes statistiques, mes choses. Alors, est-ce que le sniper, du coup, je pourrais pas avoir tech? Non, je peux pas encore l'augmenter. J'aimerais bien augmenter le sniper parce que je risque de faire très très mal. Je pourrais peut-être augmenter le semi-auto. Par contre, est-ce que ça augmenterait? Semi-auto, il est où? Non, ouais, je suis dans les balles. Semi-auto. Viser. Semi-automatique. Ça augmenterait quoi? 25% de force, cadence de tir. Oh, ouais, ça pourrait être pas mal. 4100. Bon, allez, peu. J'augmente ça. Parce que je l'ai aussi pour le. J'ai mis le niveau. Ok, je m'en fous. Voilà, parce que je l'ai aussi pour le fusil à pompe, et du coup ça pourrait être vachement intéressant en tant que sniper. Du coup, est-ce que le fusil à pompe du coup ça a augmenté parce que ça doit être dans l'impulsion? Et ouais, ça l'a pas augmenté, il reste niveau 1. Bon, c'est dommage. C'est pas grave, alors le fusil à pompe je le remets en fusil, mais il fait moins de dégâts qu'en impulsion, il me semble. Il me semble, il est où? Il est là le Punisher. Il me semble que si je le mets en fusil, alors là par exemple il fait 51-44, si je le mets en fusil, il fera 49, vous voyez, il fait plus de dégâts en impulsion. En fusil. Donc hop, retour, non je regarde pas. Oui. Hop, et on va faire un petit tour sur mes armes. Donc là je pourrais en augmenter. La semi-auto. Là, la semi-auto j'aurais bien augmenté aussi. Ça coûte ultra cher. L'agile, le collant. Ah en fait je peux augmenter plein de trucs dont... parce qu'il fait pas beaucoup de dommages en fait, j'ai l'impression. Je vous montrerai bien les trucs. Et bon, il faut beaucoup de blout. Et c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de vidéos pour avoir beaucoup de blout. Je vais peut-être augmenter la mire d'acier aussi, je sais pas trop si ça augmente. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un Pulse Fire en hommage à Ezreal de... C'est ça, c'est Ezreal, ouais. Ezreal de League of Legends, parce que Ezreal Pulse Fire, parce qu'il balance un rayon. Pourquoi je fais des tests, moi je sais pas. Un rayon. Donc vous voyez que je l'ai pris en version. Qu'est-ce que j'ai pris comme chargeur? Oup là, c'est ici. J'ai pris un dissipateur. Alors qu'est-ce que c'est dissipateur? C'est le chaleur. Est-ce qu'il y a des trucs qui font plus de dommages ou pas? Oui, il y a ça qui font plus de dommages, mais du coup la capacité baisse beaucoup. C'est-à-dire que je préfère avoir un long tir bien long pour faire chier les gens, plutôt qu'un tir qui est ultra court et voilà. Avec l'appareil, la capacité augmente, baisse beaucoup, mais ça fait beaucoup de dommages. Viens, on teste comme ça. C'est-à-dire que... Ouais, on voit même pas vraiment la différence en fait. Et vous voyez que ça augmente beaucoup. Là, vous voyez qu'avec un chargeur que je dois vider, je tue à peine quelqu'un. Tandis que... Avec l'autre chose, qui est le dissipateur, ça augmente beaucoup la... Comment ça s'appelle? On va vider ça. Donc, beaucoup la capacité. Finalement, je fais. Bon, je fais beaucoup moins de dommages, finalement, ça se voit. Mais au moins, vous voyez, il faut 50% de mon chargeur pour tuer quelqu'un, quoi. Ce qui est pas. Voilà, ça dure assez longtemps. Et c'est plutôt pratique. Qu'est-ce que j'ai? Ah, oui, c'est vrai que ça me fait des dégâts quand je tire là-dessus. Génial, je peux pas essayer les armes. Voilà, après j'ai testé très bien aussi par rapport au retour au Fishbone, donc en référence à comment ça s'appelle, Jinx. Parce que je testerai bien de mettre un bon gros canon, quoi. Un lourd 28 plus 28, 6 plus 28, 6, 9. Pentacanon, voyez. En fait, ça augmente absolument rien, c'est quoi? 45,49. Sauf que là, ça augmente la stabilité, là, ça augmente. Ou ça augmente que la stabilité, ça augmente à 42. Sub 40, pareil, sauf que ça augmente aussi des rechargements. Ça baisse, je veux dire, des rechargements. Et il y a une moins bonne cadence de tir, bon, c'est normal, les téléchargeurs 1. On va essayer le tube en. en pyro. Pyro en fait ça prend mettre les dommages, genre il y en a beaucoup, mais en fait ça prend en compte les dommages de feu qui peuvent être abrégés. Donc on va éviter. Par contre si on prend un truc on va faire le bon gros dommage, en fait faudrait ça. Pas sticky, donc impact il me semble. Non ça change rien.
Rebond, faut faire chier. Non, collant, c'est bien. Proximité, manuel, fait plus de dommages et contact, fait encore plus de dommages. Chronométrage 86. Contact. Et là, on met explosif, ça augmente pas les dommages, ça. Vous voyez, ça là, je pense que ça fait assez mal. Même pas! Mais comment ils font les gens pour me one-shot avec un truc? Ou alors, c'est parce qu'ils ont un truc amélioré. On va essayer de pas mettre le collant, on va mettre le impact. Ouais, c'est bon, ça là. Ça fait assez mal quand même. Oh, il était beau gosse lui. Bon, on va le remettre comme avant, bien sûr. Je préfère l'exa. Voire même. Oui. Si je tenterais pas. De passer plutôt au pentacanon qu'à l'exa. Je pense que ça pourrait faire plus de dommages que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une...